Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de la vidéo d'hier que j'ai faite. Donc c'est la fiche stratégique des Kaiser qui a bien marché d'ailleurs, merci à tous. Donc on va directement commencer la vidéo, c'est parti. Kaiser c'est un Pokémon que j'ai présenté hier, hein, qui est vraiment très très fort offensivement. Il a accès à une attaque qui s'appelle Kangaroo Soul, donc une attaque qui s'appelle Dracophonie en français, qui pousse toutes ses stats d'un cran, mais ça baisse d'un tiers de sa vie. Donc en gros ça fait que il va perdre des points de vie, et il va quand même être extrêmement vénère sur le plan offensif et défensif aussi. Et on joue trop spray pour pouvoir augmenter d'un cran l'attaque spéciale quand on utilise cette attaque. Donc ça fait en gros qu'il a plus d'attaques spéciales. Plus un dans toutes les stats et plus deux attaques spéciales, donc c'est vraiment pratique. Cloud in Scale pour pouvoir faire des gros dégâts avec son stab, hein, vraiment 110 de puissance, c'est vraiment fort. Flamethrower pour pouvoir toucher les Pokémon comme nos aciers. Et ça pour pouvoir toucher les Pokémon comme Nymphali ou alors Clef, qui est au fort asséché, voilà. Donc après on a nos outils mid, hein, pour pouvoir dépasser les Pokémon comme Zeraora ou Dragapult qui sont qui dépassent, hein, sinon parce que t'es qu'à plus 1 en vitesse, t'es pas plus, donc c'est assez voilà. Même ça pour pouvoir placer les murs pour pouvoir l'aider à sweep. Ça pour pouvoir poser une pièce de rock, rapid spin, qui peut même sweep, hein, une fois que t'as éliminé les Pokémon, parce qu'il a quand même accès à rapid spin pour booster sa vitesse. Autant il pour pouvoir checker Zeraora, Mandibuzz pour pouvoir taunt, parce que lui c'est notre spinner. Après Dragapult pour pouvoir faire les tacles. C'est-à-dire qu'on va commencer la vidéo, c'est parti, pas de plus de. Voilà, donc on est contre une team assez spéciale, bon une team assez originale. Bon le mec qui est un Mamo Swine qui est banni en Underius maintenant. Voilà, il y a Crapuscule quand même, mais il y a Pokémon assez sympa, très original comme team, hein, voilà. Crapuscule qui est quand même très joué maintenant, mais à part ça, voilà. Tout est original après. Après t'as aussi Noacé, mais Noacé, voilà, après c'est vrai que à part ça, bon, il y a encore défensif entre Arcanin, Ferro et Spinner, il faudrait lead de Dragapult je pense. Ça tu vois, il va sur son, c'est une note parfaite, tu vois, tu fais Dracometeur. Et t'essayes de one shot. C'est un full death. Est-ce qu'on one shot? Je crois. Je crois pas. Enfin, on fait très mal. Voilà. Regarde un peu les dégâts. Il va poser ça. Il va faire knock off. Ok. Bon, c'est pas très grave. Là, tu peux shadow ball derrière et tu peux tuer un Pokémon s'il va sur son. Hop. Donc, dans tous les cas, voilà. Pas très grave. On pourrait. Non, demi-tour, ça serait pas tué, je pense. Non, c'est death, ce truc. Donc, ça tue pas. Un Monson qui va pouvoir se prendre un truc. Non, je pense qu'il va faire Ishard là. Go Rotom et voir un peu. Évidemment, il a Ishard. Ok. Et comme nous, on est full death, bah, on tank très bien les coups. Alors, faudrait. On pourrait burn. Sauf que là, si ça va sur Arcanin, c'est assez bizarre. Drapion, ok. Ça mixe, ok. Bon, je m'attends, hein, c'est pas très grave. Ok, on va retenter la Will-O-Wisp, hein, bon. Ouais, mais contre, c'est ce Pokémon de sweep. Là, c'est assez. C'est vraiment pas de chance. Hein. Bon, il knock off. Bon, c'est pas très grave ça, par contre. Parce qu'on a, on a un spinner, donc ouais. Hop, on va directement vol switch. Sans problème. Toi, on a Pet Split. Donc, on peut quand même se soigner. C'est pas comme le Pokémon. Pas comme quand t'as pas Pet Split et que t'as. Poison Derp qui va pas poisonner, parfait. Là par contre on pourrait aller sur Dragapult. Je sais pas si la priorité ce Pokémon, hein. En fait tu vas aller Dragapult et faire Dracometeur. Et là normalement tu tues un Pokémon. Ouais, parce qu'on a vu qu'il était pas si car, peut-être qu'il y a une priorité. Je sais pas si y a une priorité ce Pokémon. Ce sera pas, hop, on tue, parfait. Là tu peux demi-tour, il va vouloir aller sur son Mamoswine, hein, comme d'hab. Est-ce que le plan serait pas de sacrifier Dragapult? Mais après c'est vrai qu'il faut quand même gérer Ferro qui jouait Def, donc faut bien ouais. Ouais, maintenant il va aller sur son Pokémon, pas sur son Rotom, hein. Rotom c'est tellement tellement pratique comme Pokémon, tu peux check n'importe quoi avec ça, c'est vraiment voilà. Il va re-échard mon classique, hein, cette voilà. Donc on va pré Will-O-Wisp parce qu'en fait s'il va sur Arcanin, c'est assez bizarre. Qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'Arcanin fait à mon Pokémon? Pas du tout en fait, hein, au final. Et moi je peux voir le switch et c'est voilà. Bon, je vais voir un peu ce qu'il va faire. Faudrait essayer de burn Pokémon. Peut-être à vouloir aller sur Flygon qui a que sa lame de rock, faudrait voir ça. Hop, et Body Slam qui va peut-être non, c'est pareil, Spy Pokémon type électrique. Putain, moi j'oublie que je suis type électrique, je suis pas type sol. Ouais, donc on va directement on va aller sur Dragapult, hop, pour check le Body Slam, voir si au pire c'est pas grave, au pire go sacrifier le lance rien, c'est pas très grave. Hop, Ishard, voilà, donc on voit que c'est assez sympa. Donc c'est vrai qu'on pourrait le passer, je pense. Non, on pourrait tenter de passer Como là en vrai, quand j'y pense. Là tu fais ça, tu fais le Reflect, voilà, hop. Il va faire knock-off pour enlever ça la screen évidemment. Enfin avec Clay c'est assez chiant. Par contre la screen c'est pas très grave parce que bah à part c'est un Arcanin lance-flamme, bah même lance-flamme ça ferait quoi notre Pokémon en tout cas. Paralysé, hop, ouais. Faudrait en fait sacrifier, faudrait avoir un switch gratos. Ouais, faudrait avoir un switch gratos sinon on a assez mal. Go Spirit Break, voir les dégâts. Par contre les dégâts sont vraiment pas fameux. Bon il paralyse évidemment comme d'hab. En fait faudrait essayer de le tuer. Après il va sur son Pokémon, il va nous tuer. Et il va essayer de tuer Earthquake en vrai. Est-ce qu'on pourrait pas aller sur Como là? Ce serait pas le plan. En vrai, j'espère qu'il nous paralyse en vrai. Hein. Go Rotom et essayer de voir. Bon, ok, voilà, hop. Tout over it, hein, y a pas de. Là, c'est officiel. Il va aller sur son Arcanin, je pense. L'Arcanin. Ouais, bon. On va voir ça. Au pire, regardez, on voit le switch. Comme ça, s'il reste pas, et ben, on peut quand même aller sur Como. Como qui, je rappelle, se fait plaisir sur le Ferro. Hein, voilà. Donc, on va vouloir passer ses pièces d'or, un truc comme ça. Il fait toxique. Oh, il avait toxique. Toxique Ferro.
Okay, dans tous les cas, il aura pas assez de tours pour nous. Ça est cher, ça tue pas hein, parce qu'on en est boosté. Hop. Et Nokov, il a enlevé la. Non, on l'a consumé avant. Goku, enfin, on l'a utilisé. Boulance flamme. Et il va vouloir aller sur son Momosen, je pense. Momosen, est-ce que Aishar de Momosen ça tue? Absolument pas, hein, parce qu'on est plus 1 en def. Ça n'a pas notre bandeau choix ni rien. Donc, s'il est brûlé, donc ça va faire vraiment 0 dégâts. Hop, lance flamme. Hop, parfait. Un petit sweep du Pokémon contre une Kimasu originale. C'est quand même sympa. Bon. Flagon, on n'a pas vu si c'était un Dendraco ou alors un set spécial. J'ai envie de voir Go Flagon, ça va être. En fait, si c'est un. Autant les dégâts 7,2% d'attaque super efficace, c'est quand même assez. Assez faible, on va dire. Peut-être que ça va être un Focus Sash ou un. Non, ce serait bizarre. Body Slam, quand même, c'est assez atypique comme truc. Bon, Flagon, que tu normalement. À part c'est un Scarf. Non, c'est pas un Scarf, ça va être un Dendraco. Et là, Arcanin qui va se faire éclater, à part. Peut-être que ce sera un full spell def, on verra ça. C'est un défensif spécial, normalement il peut tanker, mais à part ça, je vois pas trop comme il tank. Hein. Donc c'est du scale, hop, voilà. On va voir un peu ce qu'il fait. Hop, et ça one shot, vous voyez, c'était un plat offensif. On verra ça. En tout cas, je pense qu'on a fait une, une bonne game là. Et on tombe contre une team assez originale. Bon, il y a Jirachi, ça c'est classique, t'as Clef, t'as Toxapex, par contre le reste, bon c'est les billes, ça va, c'est Underused. Mais par contre, Monsieur Mine Galar et Sirfetch, c'est assez. Enfin voilà, bon, Monsieur Mine Galar surtout, c'est vraiment, c'est qu'est-ce que c'est que ça. Sirfetch, j'ai jamais vu dans stratégie quasiment, hein, ce Pokémon vraiment, parce que je fais l'Underused, mais j'ai jamais vu. C'est assez incroyable, je le vois quasiment jamais, alors que c'est l'Underused quand même, que j'en fais pas mal, donc voilà. Moi je dirais, il a combien d'adore ce mec? Il a quand même pas très très haut. Bon, moi j'ai perdu des matchs donc je suis pas extrêmement haut non plus. On valide en fait Agapult parce qu'au final, à part c'est un Scarf Jirachi, il y a rien pour nous dépasser. On va voir si c'est un Scarf Jirachi. A priori, oui, mais il faudrait voir ça. En tout cas, peut-être qu'il a Moonblast. Il peut avoir Moonblast et Kainris Pokémon hein, donc c'est assez compliqué. Il peut nous one shot et tout donc c'est assez compliqué. On verra ça, on va voir ça, mais voilà. Donc Scarf Jirachi et oh, parfait, pas de flinch, j'ai eu beaucoup de chance là. Enfin beaucoup de chance, j'avais 40% de chance de pas me faire flinch. Bah j'ai réussi, bon. En soi, est-ce que c'est du axe? Je sais pas, parce que regardez, il n'aurait pas forcément du HK ou pur, il y aurait un roll et tout, bon. Voilà, Go Hudson, il peut pas wish, enfin y a quoi à wish là? Y a rien, j'ai moins sur un Pokémon tour 1. Go Sadril. Si Moonblast, on peut quand même tanker. La lance flamme, peut-être en... Non, vu les dégâts, ça va pas être offensif ce truc, hein. Attends, vu les dégâts, ça va pas être offensif. Vraiment, je pense... ouais. Alors est-ce qu'il y a un défogueur? Il a pas l'air d'avoir un défogueur. Go pièce de rock. C'est les billes. Ok. Et peut-être qu'il a T-Wave. Vu comment il le nomme. Bon. On pourrait Iron Head pour voir. En vrai, peut-être Rapid Spin serait bien. Oh, Earth Spear. Donc peut-être un offensif. Ouais, parce que si c'est un défensif, on le dépassait. On pouvait Rapid Spin et Rapid Spin derrière pour pouvoir être plus en vitesse, pour dépasser toute sa team et être sûr de pouvoir tuer tous les Pokémon. Et c'est une galère. Il y a quand même 100 de base en vitesse. C'est quand même pas mal. Hein. Bon, ce serait pas le moment de placer notre combo. Après, c'est vrai qu'on a. Faudrait Weekend Locklef d'abord. On va attendre Weekend Locklef. Vu que c'est offensif, non. Enfin, vu que c'est un défensif et qu'il a pas. Peut-être que c'est un. Sans Wish, donc c'est possible. Hein. C'est possible que ça va pas jouer Wish. On va directement Volt Switch sur notre Rotom. Hein. Dans tous les cas, on va voir ce qu'il va faire. Voilà. Donc, ça pex parfait. On pourrait envoyer sur dans la Agapult. Oh, par contre, les dégâts qu'il prend, coup critique. Ok, 59%. Ça doit être en full def ça, hein. Clairement, il n'y a pas de. Ouais, gauche de ball directement à pouvoir faire des bons dégâts. Et Sirfetch, il va pas pouvoir. On va voir si c'est un def ou un speed def. Oh, c'est un def ça, là, il n'y a pas, ok. Ok, bon, je pense qu'en fait, là, comme c'est un def, bah tu peux aller sur Rotom. Tu peux aller sur Rotom, sacrifier ton Pokémon. Regardez, Pokémon Blast. Ouais, non, par contre, ça c'est un. Ouais, bon, là, c'est pas extrêmement ouf hein, ces matchs. ouais, bon. Vol Switch, on va voir un peu ce qu'il va faire. Il va vouloir faire Moonblast ou un truc comme ça. Il fait Soft Boil, ok. On va taunt. Dans tous les cas, mon niveau c'est pas important. Enfin, je veux dire, regardez dans la team, il y a Celebi, mais à part ça, Celebi, qu'est-ce que tu veux. Dans tous les cas, il y a d'autres trucs pour check. Donc, Calmind. Ah, Calmind, Flamethrower, Moonblast, Soft Boil. Ok, donc c'est un Calmind. Ok, c'est important de savoir ça. Rotom, Over It. Et tu vois le switch derrière et tu vas sur Komo et tu gagnes, c'est officiel. Ou alors t'essayes de faire un truc parce que c'est vrai que, et bah peut-être que Monsieur Mugalarp est Scarf et qu'il nous dépasse et non, sera assez mauvais. Alors Overheat qui miss, bon c'est pas très grave ça. Au final il nous fait quoi? Qu'est-ce qu'il nous fait ce Pokémon? Psycho qui fait assez mal, bon par contre si on remisse le, hop, il y a une drop donc. Ok. Magnifique, ok, donc là on vient de se faire axer. Bon au final est-ce que c'est grave parce que, et bah on a quand même l'ancien qui est plus rapide. Ah bah non c'est pas grave. Parce que regardez, on a un soutien gratos sur l'Ossorien. Sacrifie ton Ossorien parce qu'il a quand même fait le taf là, parce que l'Ossorien fait toute la team. Et tu gagnes. Putain, je suis en train de contrebalancer le hack, c'est quand même incroyable. Bon, j'ai un demi-miss deux fois Overheat, c'est une chance sur combien? Une chance sur 200, demi-miss deux fois Overheat, plus la drop psycho, c'est quand même accès. Non, même plus. Une chance sur 1000, et je dis n'importe quoi, une chance sur 1000, c'était. Bon, admettons. Clef qui va se faire éclater la gueule. Bon, on voit que c'est un roll, hein, donc en vrai, tu pourrais.
tu pourrais aller sur est-ce que Como, attendez, on va faire un truc, est-ce que Como versus Sirfetch'd, ça tue. Sirfetch'd, il a quoi Sirfetch'd? Sirfetch'd, Clothing Scale, ça fait, hop, on va mettre plus 2, hop, ça tue un clan 63%, ça n'a pas un bulk extrêmement élevé non plus. Ou Shadow Ball, on va voir un peu s'il fait Moon Blast. Il fait pas Moon Blast et le roll 58% le roll, ok, bon, finalement j'ai l'impression que le hack se recontrebalance, enfin je sais pas ce qui se passe, ça s'équilibre. Mais c'est une galère qui va, à part ça, Scarf, bah, peut-être nous défoncer. Hein. Bon, je rappelle que le but c'est quand même de sweep avec notre truc. Gourmandibus pour pouvoir se sacrifier pour gagner un tour et gagner. Freeze Dry qui fait, qui va au même pas, c'est quand même incroyable. Il va vouloir refreeze Dry, tu vas sur ton. Ok, ça c'est dangereux par contre là. Bah non, dans tous les cas, coup critique. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, non, tu reviens sur l'ancien, tu fais U-turn. Comme on a vu que c'était pas un Scarf, il forfeit, ok. Corona Veil Plume, j'ai même pas vu le nom. On va refaire une game encore. Bon là c'est vraiment, bon par contre le axe au début, bon c'est pas très grave parce qu'au final ça n'a pas joué. On a contre du même plus classique avec du Mantine quand même assez rare comme Pokémon mais qu'on voit des fois en Unearthed. Bon, enfin qui est Unearthed maintenant. Donc t'as Zeraora, t'as Clef, t'as Bisharp, bon t'as Grimmsnarl aussi donc ça peut être chiant s'il place ses murs. Gros Tom, comme ça s'il va sur Zeraora on peut quand même, ouais. On va, en fait go mettre la pression directement, tu fais Overheat. Est-ce qu'on va voir les dégâts du Overheat? Ça va être investi en points de vie, je pense, hein, parce que vu les dégâts, c'est pas extrêmement élevé. En vrai, il faut aller sur Krill, tu fais pièce de roc, et après tu fais Earthquake, et tu les passes. Là, il fait Drain Punch, il y a Drain Punch sur ton Pokémon. Ouais, en vrai, Iron Head. On va essayer de flinch, hein, 50% sur on flinch. Oui, parfait, le flinch. Voilà le axe, voilà. Donc là, si tu vas sur Zeraora pour pouvoir essayer de check, bah tu vas sur ton Rotom, hein, Rotom qui est full def, je le rappelle, et qui pourra évidemment burn. Il y a Zeraora, par contre là, s'il passe sa bulk up, parce qu'en vrai, on peut le burn, mais c'est vrai qu'après, s'il a passé trop de bulk up, vu comme il va être bulké après, ça va être assez compliqué à passer. Bon, on va aller sur Rotom, hein, il va vouloir Rain Punch. Bon, c'est une team, peut-être mono Rain Punch. Bon, non, bon, il y a des Pokémon qui ont pas. Donc là, c'est Rain Punch, Pokémon, non? Bon, Grimmsnarl, qui va pouvoir bon, faire burn, hop. Overheat, comme on dit, ça faisait combien Overheat? Ça faisait très peu de dégâts, hein. Ça faisait 18%. Donc tu vois le switch, hop, et on va voir un peu ce qu'il va faire. Il va vouloir faire Rain Punch, hein, je pense, et on va aller sur notre Mandibuzz. Il fait Reflect, enfin il a fait Reflect, là, non, il y a Vire. Il fait Drain Punch et le Reflect se casse. Enfin, le Reflect reste. On va faire U-turn. Hop, il va sur Clef évidemment. En vrai, il faudrait weaken le Pokémon là. Hein, tu gères. Ouais, ça a l'air d'être un wish, hein, vu comme il l'envoie et tout. Un wish à mon avis. Et il va essayer de wish toute la team hein, et voilà, nous gagner. Bon, là, la game va rester intéressante parce que c'est vrai que là, si vraiment j'arrive pas à passer le Clef, je suis assez. Enfin, j'arrive pas à weaken le Clef, je suis assez mal parce que je ferais pas souper avec Como. Sur Mantine, ok, Iron Head. Voilà, ça fait quand même des dégâts. Pas ouf, hein. Bon, on va aller sur Rotom pour voir un peu. Il va faire Scald, ok. Bon, il a pas d'unité électrique à part Zeraora. En tout cas, Zeraora, tu le check, donc autant faire Wall Switch. Et ouais, tu peux check parce que t'as peine Fleet, donc tu. Ouais, ça fait ça doit HK, ouais. Et tu taunt là. Est-ce que tu l'as screen ou taunt? La question. Une taunt en vrai, parce que là, s'il fait bulk up plusieurs fois, on est assez mal. Il va vouloir. Il a rebulk up, parfait. Là, tu l'as screen. Voilà, hop, il va vouloir Plasma Fist, parfait. Là, est-ce que Rotom. Non, Rotom est derrière Screed, hein, clairement. Donc là, tu peines Split. Hop. Est-ce qu'on Willowis pour on peine Split? Non, on go peine Split en vrai. C'est mieux, peine Split. Comme ça, ouais. Ouais, peine Split. En vrai, on peut ce qu'il va faire. Non, on pourrait Burn. Mais non, il va Drain Punch, ok. Peine Split, parfait. Là, tu Willowis. Comme ça, il peut plus rien faire et on a potentiellement gagné. Il va sur Grimmsnarl, ok. Grimmsnarl qui va vouloir va faire des dégâts et il meurt la burn. Parfait, il a même pas passé de mur. Et là, je pense que comme on a éliminé le Grimmsnarl, on peut potentiellement. Bah, en fait, il faut éliminer le Clef et ensuite, bah, t'as gagné parce que une fois que t'as ça, tu peux potentiellement suivre parce que Mantine il a pris le pied droit qui tente pas que de Glowing Scale, hein, je pense. Hein. Clairement, là, il y a pas de. Ouais. Clef, il va. Dab, il va wish, ok, il va wish sur le, à mon avis, le truc. Donc, tu vas Squeak. C'est oui sur Zeraora, tu as Squeak. Il n'y a pas de. Il est sur Mantine, évidemment. Non, il va sur Mantine, ok. Donc là, ce n'est pas le moment de placer le Como là. Si. Como, il a fait des quoi par contre, c'est assez chiant. Et comme Clangoros, regardez.
En tout cas, il restait un tour de réflexe et tout. Donc là, Kangoros. Et il y a Scald qui ne va pas burn. Et Clanton Scald, par contre, ça va vraiment faire mal. Hein. Le HKO, il va vouloir aller sur son Clef. Mais Clef, il se fait tuer. Et Zerora, normalement, on dépasse parce qu'on a une répartition pour dépasser ça. Et on a vu qu'on dépassait. Sucker Punch, jamais ça tue. Hein. Jamais de la vie ça tue. Clairement, à part même si c'est un Scarf ou un truc vraiment bizarre, on tue. Hein. Clairement, il n'y a pas de. Hop, 31,6%. Et voilà, c'est un life. Voilà, c'est un life. Voilà. Même un Bandosha, ça tue pas. Vous voyez, même à part un crit, on va quand même clancher une scale là. Et normalement, on tue le Zerora. Parce qu'il est. Il est voilà, on a vu qu'il n'était pas Scarf ni rien. Et encore un deuxième sweep de la part du Pokémon, c'est assez. Et parce qu'on a vu que ça fait combien vu que ça... Non, ça... Ah oui, non, ça va être un full speedf. Et comme on est. Non, mais en tout cas, on tue là parce que regardez. Tu vas sur le truc, tu fais Shadow Ball et Mew mur derrière, voilà. Magnifique, et Mew ça doit être le poseur d'Entrezard parce que vu qu'il avait pas trop de trucs pour poser d'Entrezard à part Abyssard qui était pas trop capable de jouer comme ça. Mew, on prend Mew qui tank, ça va être un défensif ça. Calmine, bisous. Ok, on en voit tous les jours de. Ouais, on voit tous les jours des trucs bizarres donc. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je mettrai la team dans la description si j'y pense. Eh ben ça mettra dans la description hein. Voilà, allez, portez-vous bien en faisant le confinement. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo qui sera sur le ban des Kaiser. Non, pas des Kaiser, de. Non, je m'embrouille. De Dracovish, donc Hydreigon français. Allez, à plus.